Mais ça doit être une voiture d'exposition. Elle est énorme cette voiture. Elle est grande. Oui. Ouais. Elle est jolie la couleur. Oui. C'est un peu bronze. Ouais. Oh, les disques dans l'arrière, c'est énorme. Oui. C'est grand roue ça. Hein? Grand roue. Ouais, alors c'est du vent. Ouais. Je sais plus. C'est énorme. Non, c'est vrai. La porte de voiture. Ah non, c'est bon. Mais ça doit être une voiture d'exposition. Voiture très grand luxe hein, quand même. Ouais. T'as vu la boîte? Regarde la boîte, elle est là. Tu vois le petit machin là? Ouais. Tu enclenches première ou marche arrière et après tu gères tes vitesses avec les palonniers. C'est plus comme avant. Tac tac tac. C'est terminé. La petite là, jolie là. Regarde la TPK, c'est comme ça. Ouais, t'as vu, c'est marrant. Alors, c'est bien? Et tu vois, tu passes les vitesses là, regarde. Ici, tu passes les vitesses. Ouais. Là, tu montes et là, tu descends les vitesses. Ou vice versa. Ouais, c'est les palettes. Voilà, tu vois? Ouais. Vous savez, c'est digital, le truc, tout est digital. C'est digital, c'est pas, y a pas des aiguilles. Et là, c'est voilà, c'est le levier de vitesse. Regarde, tu vois, enfin la commande de boîte, oui. Parking, neutre, et puis marche arrière c'est et marche arrière. Ça traite pas dans vrai, hein. Ça fonctionne bien, je trouve. Tu vois, c'est super. Oui, hein. Il est léger, quoi, en conduisant. Ouais, mais du coup, en fait, quand t'es dans des bagnoles, tu vas vraiment te. Ah, mais ça, c'est, tu sais, c'est le joystick. Ouais. Oh, regarde les deux toits. En fait, au début, je me super. Suis franchement, les deux, ça paraît super bizarre. Bah, en fait, quand tu veux t'appliquer dans des trucs, il y a pas mal. C'est Climate, je pense. Ah, c'est bien fait. En fait, je préfère ça que Honda. C'est un peu plus cher quand même.